Et voilà, accompagné de ses enfants, tous de jaune vêtus, le vainqueur du Tour de France 2005, Lance Armstrong. Lance Armstrong. Tour de France, et mesdames, messieurs, votre attention, nous voyons perdre les routes du Tour de France avec 22 victoires d'étape. Voilà Lance, en compagnie de ses trois enfants, c'est évidemment... Ça te dérange d'enlever le trépied derrière ? L'agence américaine, en accord avec l'agence mondiale antidopage, qui joue un rôle très important dans ces affaires, a recherché dans tous les pays où elle pouvait rechercher des éléments qui pourraient clarifier la situation de Lance Armstrong. Est-il dopé ou ne l'est-il pas ? Ils ont donc, grâce à la coopération sous l'égide de l'agence mondiale, obtenu des éléments dont on nous dit maintenant qu'ils sont des éléments importants et graves, est tellement important et tellement grave que ça justifie une sanction immédiate de ne pas faire de sport pour l'intéresser. Il a écrit quelque chose ce matin ? Oui, oh, bah, c'est l'article de page 15 là. Ah, oui, je crois que ce qui est très important, bon, il y a le cas individuel d'Armstrong, mais ce qui est très important, c'est pour le cyclisme. On ne peut pas indéfiniment traîner des affaires de suspicion de dopage. Il y a un moment où il faut dire il est dopé ou il n'est pas dopé. Donc si on peut progresser dans cette clarification, c'est très important. Parce que ça va soulager tout le monde du sport d'une difficulté qui était jusqu'à maintenant non surmontée. Et clairement, je vois mal Armstrong s'en sortir dans ce cas-là une nouvelle fois parce que l'USADA a des... On aura les réponses assez vite sur les conséquences concrètes sur son palmarès. En revanche, en matière d'image, ça va être évidemment désastreux. Ça va être désastreux pour lui, surtout aux États-Unis d'ailleurs. Puisqu'il représente quelque chose de, comment dire, d'énorme au niveau de la popularité. D'accord. Bon, ouais, je peux regarder. There is a element of the World Anti-Doping Code which calls for non-analytical positives. That is, you can have a doping violation. Not because of something found in the urine or found in the blood, but because of other evidence. And so it doesn't necessarily have to be that you found something. It can be circumstances. No, I think that's probably one of the reasons he's not guilty. You know, to have so much going for him in terms of cancer research and celebrity, it would just be too stupid to risk it on doping, especially towards the end of his career, like they say he did. Hey, Lance, Lance, Lance. My head. I don't know. Ah bien, on va essayer de faire la même avec Johan.